Même si la saison de triathlon officiellement, Laurent, est terminée depuis la dernière étape de cette fameuse compétition, les Triathlon Series à Londres, et qu'on connaît bien sûr l'identité de la championne et du champion du monde, il n'empêche que tant que les jours sont agréables, la saison officieuse continue. En l'occurrence, direction la Chine, Pékin, pour la deuxième édition de ce triathlon de Pékin. Deuxième édition, mais un endroit qu'on connaît déjà via les Coupes du Monde et via surtout les Jeux Olympiques de 2008. Mais c'est vrai que le parcours est un petit peu différent. C'est une seule boucle en vélo, ainsi qu'à pied, avec un parcours très technique, notamment cette fameuse bosse avec le demi-tour en haut qu'on avait vu l'année dernière et le fameux pont Marco Polo, si ma mémoire est bonne. Exact. Et alors, cette deuxième édition, elle a réussi à drainer une population bien sûr plus importante en termes de amateurs, 500 personnes sont ici pour disputer ce nouveau rendez-vous. Et parmi les professionnels présents, vous aurez reconnu un certain nombre de visages, et notamment celui du champion, je dirais presque du triple champion du monde, car il est effectivement champion du monde pour la troisième fois cette année. Il est là, plus quelques anciens. On voit Greg Bennett qui a passé la quarantaine, Madrid qui n'en est pas très très loin, Laura Bennett aussi qui est là, et puis il y a Sarah Groff, Lisa Norden. Et puis Ricard Dalisk, quelques triathlètes que l'on a l'habitude de voir. Ils ont l'air assez détendus, on va puisque dire. Le plateau n'est pas d'une densité énorme, mais avec beaucoup de qualité, et que la prime finale est quand même, somme toute, intéressante. Elle est substantielle. 20 000 $ pour le premier et la première. C'est bien sûr l'occasion de finir la saison, je dirais presque, en beauté, même si, effectivement, ils sont peu nombreux, tant du côté des messieurs que du côté des dames, à participer à cette épreuve. On se demande un petit peu pourquoi. C'est aussi peut-être le choix délibéré des organisateurs que de limiter de manière, je dirais presque, excessive le plateau d'athlètes professionnel présent. Le parcours natation, vous l'avez découvert, 1500 mètres, rien de difficile. Transition un peu longue. À la mode Escape from Alcatraz. Ils ne sont pas nombreux, les parcours de triathlon qui proposent ce type de transition. Non, en général, surtout sur les WTS qu'on a l'habitude de commenter ensemble, l'objectif est justement que ça aille très très vite et la transition est vraiment au contact de la sortie d'eau. Maintenant, on retrouve l'esprit, une seule boucle en vélo aussi, pas de drafting, on retrouve l'esprit un peu originel du triathlon, voilà, avec à peu près au 25e kilomètre, le sommet de cette bosse, qui est quand même une bosse très très difficile. Et on fait demi-tour en haut et on redescend. Un choix de matériel aussi qui va être important, avec les guidons les vélos de contre-la-montre ou pas, les roues lenticulaires ou pas. Donc ça, il va falloir voir le choix individuel des athlètes. Et puis c'est vrai, vous l'avez dit, une fin de saison qui s'est finie en fanfare à Londres sur le format WTS. Là, on est sur un petit peu autre chose, puisque natation, vélo, course, on est seul. Notamment le vélo, il n'y a pas de drafting. Donc c'est vraiment un triathlon à l'ancienne, de costauds, qui sont capables de faire les trois disciplines très vite. Et c'est pour ça qu'on retrouve des gens comme Madrid, des gens comme Greg Bennett, qui eux ont soit dépassé la quarantaine, soit la frôle, donc ont eu l'expérience des triathlons sans drafting d'il y a quelques années. Et c'est marrant parce que ce retour aux sources se vérifie, je dirais, de manière de manière fréquente. Il y a le fameux circuit 51-50 créé par Ironman, qui a donné donc une troisième occasion aux pratiquants après l'Ironman et l'Alpha Ironman de venir justement sur des courses sans drafting. Il y a d'autres courses comme notamment Revolution 3 aux États-Unis aussi. Donc l'occasion pour nous d'insister un petit peu sur cette évolution, un petit peu ce retour aux sources. Sarah Groff, elle avait effectivement remporté la première édition l'année dernière. Elle vient défendre son titre. Javier Gomez, c'est sa première visite, non pas en Chine, mais à l'occasion de ce triathlon de Chine. Il capitalise sur son titre, c'est normal. Effectivement, il vient juste profiter, et c'est normal,
comme les organisateurs le font, profiter de cette présence, en l'occurrence. Jenna Parker, elle est là, couru très longtemps sur format ITU, lors en World Cup, en l'occurrence. Récemment, première place sur le triathlon de New York. Brian Fleischman n'est pas un nouveau venu. On a l'habitude de le croiser sur, là aussi, Escape from Alcatraz. Ce sont des athlètes qui sont polyvalents, qui ne sont pas forcément très, je dirais, performants dans un domaine, mais qui ont l'habitude de ce type de parcours. Des triathlètes, vous voulez dire, donc. Tout simplement. Et Brian Fleischman, c'est vrai qu'on l'avait vu sur les Coupes du Monde avec des résultats un peu en dents de scie. Il était un petit peu dépendant de sa natation et notamment, et donc forcément du parcours vélo avec drafting. Et il a tout à fait bien réussi sa reconversion ou en tout cas la suite de sa carrière sur les formats dont vous avez parlé. Et vous avez noté Mario Mola. Vincent, c'est vrai que ça va être intéressant de le voir sur ce type de format. Mario Mola qui avait pris la troisième place, c'était à Londres et du coup qui est terminé, je crois, troisième des championnats du monde. Le podium de l'arrivée était le podium final. Et Javier Gomez, par contre, lui, on n'a absolument aucun doute sur sa polyvalence et sur le fait que ce soit un triathlète complet, puisqu'on l'a déjà vu sur ce type de format, voire même sur le format un petit peu plus long sur lequel il a excellé. Effectivement, c'était, pour ce qui concerne Javier Gomez, le Half Challenge de Barcelone au mois de mai dernier. Allez, la préparation de ce petit monde, des départs dissociés pour les messieurs et pour les dames et pour les groupes d'âge un peu plus tard, histoire de favoriser le spectacle, de donner à tous ces Chinois présents l'occasion d'assister à un départ de compétition, un départ de très très haut niveau. Madrid. Ça fait plaisir quand même d'en voir certains qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Madrid, grand gabarit, facilement reconnaissable. Sarah Groff, bien sûr, dont on a parlé tout à l'heure. Alors en plus de Sarah Groff, on a vu Laura Bennett, Jenna Parker, Carolina Routier, Lisa Norden, Ricarda Lisk. Il y a 8 compétitrices chez les pros du côté féminin et il y a 7 compétiteurs chez ces messieurs. Un de moins que chez ces dames. Chez les professionnels. Hein, chez les professionnels. Il y a 500 partants chez les amateurs. Il va y avoir une vague derrière aussi. Allez, c'est parti. Ça veut dire ça va démarrer dans peu de temps. Bonne chance à Allez, tous les compétiteurs. Ils vont pas trop se taper normalement. Hein. Et là, première chose, Laurent, c'est intéressant de voir l'attitude de ces triathlètes au moment du départ. Il y a ceux qui ont les deux pieds parallèlement apposés sur le ponton et ceux qui, un petit peu à la mode des natation. Nageurs modernes, ont un pied en retrait. Sauf que les nageurs maintenant sur le plot ont aussi une petite planche qui leur permet de faire ressembler ce plot de départ de natation à des starting blocks. Et on a presque l'impression de voir un départ de Coupe de France. Vous savez, avec quelques athlètes au départ et qui partent en contre-la-montre par équipe. Et donc là, ça va être intéressant. On a vu un choix de matériel qui peut avoir son importance. Madrid qui nous parle effectivement de ce plateau présent, certes peu important, mais comme le disait Laurent tout à l'heure, certaines qualités exprimées par quelques-uns des compétiteurs présents, et notamment cet homme, Javier Gomez, qui a commencé sa saison, je dirais, tôt. Puisqu'il a performé dès la première étape WTS à Auckland en début de saison et qu'il est encore, je dirais, à son meilleur niveau, or que nous sommes au mois de septembre, c'est loin d'être terminé encore pour Javier Gomez. Oui, cette course a lieu à peine une semaine après Londres. Donc il a même eu le temps de se reposer, voyager tranquillement et bénéficier effectivement de son pic de forme puisqu'il a fait une très très belle course à Londres. Donc il n'y a aucun doute, en plus moins de pression. Il est là alors pour faire une course évidemment de haut niveau, mais en étant un petit peu plus relâché, en ayant moins la pression du circuit WTS. Donc c'est une bonne chose pour lui. Jenna Parker qui bien sûr nous annonce une natation très rapide, ne serait-ce que parce que il y a comme Sarah Groff quelques compétitrices assez performantes dans ce domaine. Et Sarah Groff qui confirme qu'elle a l'intention d'imprimer un rythme soutenu dès les premiers hectomètres pour glaner et enregistrer si possible un écart conséquent à la sortie de l'eau parce que on insiste et c'est bien d'insister là-dessus. Il y a quand même 800 mètres à pied à effectuer entre la sortie de l'eau et le départ cycliste. Oui, donc la natation ne s'arrête pas juste à la natation, ce qui va se passer. Même si là, comme il n'y a pas de drafting, c'est un tout petit peu différent. Mais on peut perdre beaucoup de temps sur cette transition et qui nécessitera forcément de rouler plus costaud pour refaire cet écart que l'on a pu perdre sur l'espace entre la sortie d'eau et le départ du vélo. Natation de ces dames avec, je dirais, un positionnement assez étonnant en comparaison du nombre d'athlètes présentes. Il y a quand même deux pôles qui sont bien dissociés. Il voulait être sûr de ne pas prendre de coups. Hein. On est pour une fois, mais regardez ce passage de bouée. Comme ça doit être confortable quand on a l'habitude d'être dans la masse sur une WTS. Là, ça doit être vraiment confortable. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Puisque Greg Bennett, que ce soit Madrid, vous avez parlé de Fleischman, ont l'habitude d'aller sur les courses en drafting. Ils ont connu
vu leur grand âge canonique, les courses sans drafting d'il y a quelques années, les Coupes du Monde avec drafting et puis le circuit américain dont vous avez parlé, Vincent, tout à l'heure, où on est seul sur son vélo. Et il y a Mola et Gomez qui, eux, mentalement, vont être obligés, en tout cas, vu leur expérience, c'est une évidence qu'ils l'ont fait, de se préparer mentalement, puisque le vélo va être complètement atypique pour eux. Ils ont l'habitude tout au long de la saison d'être en groupe, d'entendre les écarts pour savoir s'il faut rouler, pas rouler, Gomez, est-ce qu'il doit rouler avec les Brandly ou pas. Alors que là, il va falloir être soit avec soi-même, du départ à la fin. Ça va être important et intéressant aussi de voir de quelle manière ils vont s'exprimer sur des vélos qui, comme vous le disiez tout à l'heure, risquent d'être sincèrement différents de ceux qu'on a l'habitude de croiser sur les épreuves de Coupe du Monde ou de WTS Triathlon Series. C'est une évidence déjà parce que les guidons de triathlon, on va dire, longue distance qui dépassent les cocottes de frein sont interdits, et puis les roues pleines, qu'elles soient paraculaires ou lenticulaires aussi. Donc là, on est sur une utilisation et un choix aussi, vu la topographie du parcours, un choix qui va être individuel, et ça va être intéressant de voir qui a fait quel type de choix. Alors, lui, il a fait le choix de prendre les commandes rapidement et de manière efficace. L'Espagnol Javier Gomez a creusé un écart substantiel avec ses poursuivants. Brian Fleischmann, Madrid, O'Grady, en fait, tout le reste, en quelque sorte. Il est juste en train de prouver à quel point son niveau est différent et franchement supérieur à celui de ses concurrents. C'est sûr, c'est sans comparaison, d'autant plus qu'un départ à 7, enfin à Pékin, pas à 7, hein, mais à 7 au départ, et bien pour prendre les pieds, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les écarts peuvent se faire sur une longueur de longueur, et puis après on prend un petit peu d'eau, et puis il faut faire son orientation seul, contrairement à la plupart du temps sur les WTS. Regardez, il y en a un petit peu partout, voilà, il y en a deux qui arrivent quand même à se grimper dessus. C'est oui. Madrid qui est devant, derrière, j'ai pas encore reconnu. Je crois que et c'est puis voilà, c'est des trajectoires différentes, donc on est vraiment livré à soi-même, et c'est symptomatiquement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Oula, gros écart. Donc en deuxième position, Fleischmann, ensuite Reed Bennett. Il nous reste donc O'Grady et Fraser Cartmell, si j'ai bonne mémoire. Donc ça, c'est la compétition féminine avec devant Carolina Routière, Sarah Groff. Logique aussi. Ça vous paraît pas complètement une surprise, puisqu'elles sortent devant sur les WTS. Et derrière, Laura Bennett, Jenna Parker, Lisa Norden, Ricard Alisque. Et c'est vrai que c'est... La différence, c'est que des écarts de ce type-là en WTS, la course est quasiment finie pour ceux qui sont derrière. Là, il y a tout le vélo, toute la course à pied qui va sans doute permettre à certains de pouvoir regagner des places, revenir, grappiller du temps au fur et à mesure. Allez, sortie de l'eau pour Javier Gomez. Alors, vous avez vu que Gomez a choisi de mettre un néoprène léger sans manche, et tout à l'heure, il m'a semblé voir Madrid, qu'on va voir normalement là, et qui lui est parti avec la tenue avec laquelle il va faire l'ensemble du triathlon. En fait, ils avaient le choix, compte tenu de la température de l'eau suffisamment tiède, j'aurais tendance à dire. Non, c'est Fleischmann. Ouais, Fleischmann. Chacun des compétiteurs avait le choix de porter ou non une combinaison. Ouais, mais on est toujours un petit peu plus rapide. Le voilà, Madrid. On est toujours un petit peu plus rapide avec. Ça porte un tout petit peu ouais, plus. Avec le néoprène. Alors, regardez, jambes longues, jambes courtes. Tout le monde n'a pas fait le même choix. Donc sur le vélo, ça va être probablement la même chose. Voilà, particularité, longue transition, 10 chaussures de course à pied. Donc en fait, on fait natation, course, vélo, course. Exactement. Gomez devant Brian Fleischmann. Même s'il y avait à peu près 20 secondes qui séparaient les deux hommes à la sortie de l'eau, lors de cette transition, Fleischmann a repris en l'occurrence l'Espagnol. Ça, c'est la sortie de l'eau de ces dames, avec la première qui, pour l'instant... Carolina Routier, l'Espagnole, sans surprise. Regardez son temps, à peine 19-13. Une petite minute de différence avec Gomez. Sarah Groff dans les pieds de l'Espagnole. Logique aussi. Ah, ça va être intéressant derrière de voir Sarah où est Groff, Lisa Norden, parce que... Laura Bennett, pour l'instant. Voilà, qui, au temps de sa splendeur, serait sortie avec la tête de course. Ne pas oublier que Laura Bennett a quand même participé aux Jeux Olympiques de Londres l'année dernière. Elle a pris une belle 17e place, elle avait fait le nécessaire. Elle avait fait Pékin aussi. Effectivement, elle avait fait Pékin en ayant pour raté y participer. Athènes et Sydney en triathlon et Atlanta en natation. Elle avait terminé 3e des sélections US, donc elle avait vraiment à cœur de finir sa carrière avec les Jeux Olympiques. Les écarts chez ces messieurs et chez ces dames. Lisa Norden, 20-59. Elle a quand même une 45 de retard sur Carolina Routière. Elle a un vélo, donc ça va être intéressant. Mais Lisa Norden a effectivement des aptitudes sur deux roues assez
efficace. Regardez la transition. Là, il faut récupérer. Il faut essayer. Récupérer. Oui, récupérer. Regardez, récupérer, oui. Mais c'est ce que j'allais dire. Avec les marches qu'on vous propose, le dénivelé, le changement de rythme qui vous est imposé, c'est pas simple. Ah, au gradi. C'est particulier. C'est très, très particulier. Alors déjà, quand il y a une sortie à l'australienne au demi-tour natation, on dit passer de la position allongée à debout. Et en général, ça fait quoi? Ça fait 15 mètres, 50 mètres au pire. Là, on est sur 800 mètres de course à pied avec des marches. Mola et Bennett. Bennett hein. Et Bennett qui a toujours cette attitude de coureur à pied. Vous savez qu'il a beaucoup travaillé et puisque j'ai eu la chance d'avoir Laura dans mon équipe et donc Greg venait assez souvent, il m'expliquait que les progrès, parce que si vous vous souvenez bien, c'était 95 ou 96 quand il arrivait en France au club de Boulogne-Billancourt, il était connu comme étant un nageur rouleur et il a énormément progressé en allant au Kenya. Et en allant s'entraîner là-bas, il a fait le voyage il y a quelques années et ça lui a donné cette foulée. Et on se souvient notamment de sa place, de sa quatrième place au JO d'Athènes avec une foulée qui est digne des... à part sa carrure, il ne dépareillerait pas avec un coureur de 5000, 10000 en termes de foulée j'entends. Gomez attaque le parcours cycliste, Fleischmann quelques secondes derrière lui, ils viennent d'effectuer les fameux 800 mètres qui les séparaient de cette ère officielle de transition. O'Grady a laissé sa troisième position à Matrid, deux petites secondes les séparent et ça continue pour ce qui concerne la surprise avec un départ en descente où là il s'agit d'être attentif parce qu'on non seulement n'a pas chaussé mais en plus vous avez vu que la rampe elle est quand même... Elle n'est pas lisse. Elle n'est pas lisse effectivement. Et donc voilà. Oh là, bizarre, Camérin... Superbe. Caméra embarquée, mais effectivement dans un sens assez surprenant pour ce qui nous concerne. Donc il faut lire effectivement faire attention que quand ce même. Sont pas que ça dure trop longtemps. Les pieds de Javier Gomez que nous suivons. Mais c'est pas inintéressant justement de voir cette transition et il est le vélo. Étonnant, regardez rare de voir Gomez sur ce vélo. Regardez sa position très avancée, roue pleine, guidon de triathlon. C'est un vélo contre la montre typé longue distance. Longue distance, parce qu'on a l'habitude de les voir sur les longues distances, mais c'est le type de vélo contre-la-montre, puisque nous sommes sur un contre-la-montre individuel. Alors, Fleischmann a quitté la transition, O'Grady. Faire cette descente avec les coudes sur le guidon de triathlon. Ouais, c'est effectivement prendre des risques. Et les pieds sur les chaussures. Indispensables. C'est pas forcément génial. Derrière, Matrid en quatrième place, grand gabarit facilement reconnaissable. Greg Bennett en cinquième position. Et c'est parti donc pour un. Parcours long de 40 km avec une petite bosse au milieu, ça c'était la difficulté du jour. La veille c'était quand même moins compliqué. Accueil, et quel accueil, réception, sympathique. Tout pour en l'occurrence faciliter la tâche et surtout permettre aux Chinois d'être au contact avec ces champions. Et oui, et puis imaginez, vous parliez de 500, on va les appeler amateurs, qui courent sur le même parcours et dans les mêmes conditions. Puisque souvent sur les WTS, les amateurs, notamment sur le triathlon de Londres, il y en a énormément, courent sur le même parcours, mais pas tout à fait dans les mêmes conditions. Donc là, on peut vraiment se comparer. Et puis, la Chine est quand même un marché colossal. Et imaginez que le triathlon se développe en Chine, ça peut faire quelques dégâts en termes économiques, puisque les Chinois sont très, très nombreux. Il pourrait y avoir, effectivement, en termes de performance, un avenir à saisir. Allez, le parcours. Maintenant de ces dames, Carolina Routière, l'Espagnole, est la première à quitter l'aire de transition. Ça y est, elle chausse. On a vu que Sarah Groff était pas très loin derrière. Au tour de Laura Bennett d'atteindre cette aire de transition. Laura Bennett sortie de l'eau en 19 minutes et 54 secondes, c'est-à-dire elle est 40 secondes derrière la première. Le parcours cycliste qu'on a déjà vu au début de ce reportage et que l'on va découvrir à nouveau. 40 km, une seule boucle, une première partie très roulante pour ainsi dire, puisque même une partie descendante. Pour commencer. Et puis, quand ça on va aborder le 12e, 13e, 15e kilomètre, ça va commencer à grimper doucettement parce que, ensuite, entre le kilomètre 22 et le kilomètre 26, vous avez la bosse prévue sur ce parcours. Ah oui, c'est que du positif. En termes de dénivelé, bien sûr, dès le 15e. Et puis derrière, ça va très très vite. Donc, un parcours qu'il faut être capable de segmenter mentalement. Pas forcément s'enflammer sur les 10-12 premiers kilomètres, savoir gérer le milieu de ce vélo en sachant que derrière le retour, les 10-12 derniers, même les 15 derniers kilomètres vont aller très très vite. À part ce petit truc en plus là-haut, mais c'est vraiment un épiphénomène.
Greg Bennett nous explique que si jamais il n'a pas mal en course, c'est qu'il estime qu'il n'a pas fait son boulot. Donc non seulement Greg Bennett, il a l'habitude d'animer les compétitions et surtout de s'imposer sur des Half Ironman et autres 51-50. En plus, là, il est particulièrement motivé, je dirais plus motivé que jamais, parce que Greg Bennett, il a comme principal rival Javier Gomez. Oui, c'est son objectif. C'est pas mal comme objectif. En même temps, ils n'ont pas tout à fait le même âge. Et vous avez vu, on a vu sur l'incrustation, Greg Bennett, deux fois vainqueur des séries mondiales. Non, ils ont eu la délicatesse de ne pas mettre les années. Car Greg court depuis très longtemps. Il a commencé en 94. Regardez Greg la Bennett. Position. Ça, c'est Brian Fleischman. Tige de sel inversée et on avance sur le bec de sel. Ça me rappelle presque un tout petit peu Mike Pigg. Vous vous souvenez de Mike Pigg? Enfin, pour c'est les plus jeunes, douloureux. Allez voir les archives du triathlon, mais ça roulait comme ça. La position de Gomez, par contre, est complètement différente. Et Gomez, quel palmarès. Il a trouvé sa position, il a trouvé effectivement... Il est assez complet, regardez. Ah ouais, il est bien installé. Gomez, il a commencé tôt la saison. Il a commencé par Alcatraz. Il s'est imposé Alcatraz, ça c'était au mois de mars. Ensuite, il a remporté la première étape d'Auckland au mois d'avril. Il a poursuivi après avec... c'était le Challenge Barcelone au mois de mai. Et puis, il a poursuivi avec Londres. Il a poursuivi avec l'étape de Des Moines, qui est assez intéressante financièrement. Aussi. Et là, il est encore, en l'occurrence, à Pékin. Jusqu'où va-t-il aller cette saison? Eh bien, on a vu sur son palmarès un petit coup de Xterra aussi. Globalement, à peu près toutes les courses qu'il tente, il les gagne. Donc, il les gagne. En tout cas, quand il change de format. Après, évidemment, quand sur les WTS, il y a les frères Brandly, c'est un petit peu plus compliqué. Quand bien même sur Londres, il gagne au sprint. Donc, c'est qu'il a rehaussé ce niveau. Et je pense sincèrement, on le connaît depuis longtemps, Javier Gomez. Il court aussi en France, dans le club de Sartrouville, bien sûr. Il avait eu un petit trou dans sa carrière avec un petit problème médical. On lui avait détecté un petit souci cardiaque, mais qui s'est réglé. Il a été champion du monde des moins de 23. Il a été champion du monde, si ma mémoire est bonne, en 2008 à Vancouver sur la course d'un jour. Et donc, il a réussi sur toute cette dernière décennie à aller chercher, quel que soit quasiment le format, quelle que soit la forme de course, à rehausser son niveau et à les gagner. Lisa Landen qui nous parle de ce profil de course atypique. La course cycliste, bien sûr, avec cette fameuse énorme bosse qui, de toute façon, va attirer l'attention et éprouver toutes les athlètes. Et Laura Bennett insiste pour dire que non seulement il y a l'ascension, mais il y a toute la partie descendante aussi, parce que mine de rien, le parcours par endroits tourne énormément. Alors, autre spécificité de cette épreuve, c'est que vous l'avez remarqué, il y a quand même peu de voitures pour gêner les concurrents. Ils sont peu nombreux au départ, il n'y a pas de voitures pour les gêner. Donc, les conditions de course sont quand même optimisées. Complètement. Avec quelques petits allers-retours, on peut faire des petits pointages. Et Matrid qui a mis en route. Et on voit, on parlait des positions, notamment de celle de Fleischman, mais là, les positions sont assez symptomatiquement différentes. Et on voit les spécialistes de course sans drafting et de format un peu plus long par rapport à ceux qui font la WTS. Si on a la chance de voir Mario Mola sur le parcours vélo, on verra qu'il a une position probablement qui ressemble plus à celle de Gomez. Regardez Matrid, complètement avancé sur sa selle. Matrid, son âge, ses quelques performances. Récemment, c'était en 2012, vainqueur du 73 de Boys, donc athlète de l'année en 2008 aux États-Unis. Vous avez vu l'image d'hélicoptère, ça se regroupe. Quel braquet Greg emmène. Il fait mal là, Bennett. Il emmène énormément de braquets. Il a Javier Gomez comme objectif. Encore une fois, Greg Bennett, il n'a pas l'intention de lever le pied dans l'immédiat. Son âge, ce n'est pas sa pointure. Greg Bennett, qui n'a pas l'intention de s'arrêter non plus, américain depuis 2011, australien de naissance. Monsieur, je dirais presque polyvalence par excellence. Oui, depuis le début de sa carrière, des très très grosses qualités. Et puis c'est vrai, mais bien, s'il arrive à rejoindre Gomez en vélo, il reste quand même la course à pied derrière. Et on connaît le niveau de Javier sur 10 km. Et à 41 ans, même si Greg a énormément progressé au long de sa carrière, je ne suis quand même pas persuadé qu'il arrive à rester avec, surtout en emmenant un braquet comme ça va lui chauffer un petit peu les jambes. C'est impressionnant, effectivement. Rester avec Gomez sur 10 km, ça semble un petit peu compliqué. Gros plan sur la Suédoise, Lisa Norden, sortie de l'eau derrière Routière, Groff et Bennett, qui progressivement fait son retard sur la tête de course. Laurent, ce n'est pas une surprise. Non, elle est très très bien posée, ça a l'air fluide.
Mais elle, elle est capable de pouvoir rattraper, vous aviez dit, 1,45 à la sortie de l'eau. C'était effectivement l'écart qu'elle avait enregistré. Elle va peut-être revenir assez vite finalement. Il va falloir voir à quel endroit dans la bosse, en haut de la bosse. Si elle revient avant le sommet de la bosse, ça va être difficile pour ses concurrentes de rester avec elle. Elle a failli pas venir, Lisa Norden, parce que après effectivement avoir participé au championnat du monde 70.3 à Las Vegas où elle a pris une 8e place, elle s'était sentie légèrement fatiguée. Et finalement, elle a décidé de faire le voyage et de prolonger en quelque sorte sa saison, ne serait-ce que pour préparer aussi une épreuve à laquelle elle va participer au mois de novembre. Ce sont les championnats, en l'occurrence de Suède, de cyclocross. De cyclocross. Une première pour elle. Ah, c'est intéressant. À suivre. À suivre aussi l'effort réalisé par Greg Bennett. Position inchangée. On était d'abord le menton dans les mains. Maintenant, on est quasiment le casque dans les épaules. Il regarde un petit peu devant quand même. Il faut qu'il fasse attention, c'est ce que j'allais dire aussi. Et là, ça revient. Et Madrid. Madrid qui ça participe en l'occurrence Bennett, hein. Voilà, la relance de Greg Bennett. Et Fleischmann. Brian Fleischmann à son tour. Ah, ça, ils vont être trois maintenant, donc ça peut être intéressant. On connaît l'importance, même sans le drafting, on connaît l'importance du fait, de temps en temps, quand il y a un demi-kilomètre heure ou un kilomètre heure qui se perd parce qu'on est tout seul en train de rouler. Eh bien, là, on a quelqu'un qui, ou en l'occurrence, deux personnes qui vous relancent parce que devant, si je ne m'abuse, c'est O'Grady. Exactement. Qui lui va prendre un petit vent. Gog. Ça va être le surnom de Graham O'Grady, pardon. Gog. Oui. Vainqueur de. J'ose espérer qu'il sait pas ce que ça veut dire en français. De Samoa, il n'y a pas si longtemps que ça, première édition. Et là, il a quand même fort à faire avec les vétérans américains, que ce soit Bennett, américain, je vous l'ai déjà dit, depuis 2011, Bennett et Reed. Il y a quand même. Ah, c'est pas le même tempo. Il y a un tempo un tout petit peu différent. Ah, c'est assez... Ouf, après, vous avez dit Samoa. C'est, ben voilà, regardez le triathlon qui se mondialise. Et c'est une bonne chose. Car il y a de très très beaux endroits pour aller faire évidemment des courses et le Pacifique en est un. On se souvient du triathlon de Moréa, si je ne m'abuse. Exact. Qui était un longue distance, qui a été un court distance, qui a été aussi un longue distance. Et quoi de mieux que de faire, c'est vraiment l'essence même du triathlon, de nager, rouler et courir en plein milieu de la nature. Alors, on va s'attarder maintenant sur la course de ces dames avec Carolina Routière, l'Espagnole, qui a en point de mire Sarah Groff, l'Américaine tenante du titre, et Norden qui va sans doute se rapprocher, sachant que la difficulté maintenant est à quelques kilomètres, à peine, et que depuis une vingtaine de kilomètres, elle, de son côté, la Suédoise, martyrise le vélo pour fondre sur ses concurrentes. Elle tourne très très bien les jambes. Ouais, on pourrait avoir l'impression, n'en déplaise aux cyclistes, aux puristes en tout cas, qu'elle est sur un contre-la-montre pur de vélo. Elisa Bennett qui en fait les frais. Ah, elle est très très bien là sur ce parcours vélo. Mais on connaît ses qualités, hein. C'est pas une surprise, mais c'est vrai de l'avoir sur ce vélo contre la montre dans cette position là, ça ne fait que renforcer ce qu'on savait d'elle. Norden qui continue sa progression, ça y est, elle a dépassé Sarah Groff, elle est donc en tête aux avant-postes de cette course féminine ici à Pékin. On va marquer une petite pause et on revient dans une poignée de secondes suivre cette deuxième édition du triathlon de Pékin. A tout de suite. De retour à Pékin, plus exactement dans le district de Fangtai, pour vivre cette deuxième édition du triathlon de Pékin. Parcours cycliste, 40 km à parcourir. Et à mi-parcours, bing, la bosse, la fameuse 4 km en aller-retour, avec un pourcentage assez élevé. Nous sommes en l'occurrence avec la tête de course masculine où les principaux rivaux de Javier Gomez qui va arriver, lui, à hauteur du demi-tour, Laurent. On ne l'a pas vu, monter. En danseuse, Javier Gomez, là, qui relance. Ouais, ce qui est assez logique vu la pente et la roue pleine qui est derrière. Et Greg Bennett, qui a fait la différence, puisqu'on l'a vu sur le plat avec Madrid, avec Fleischmann et avec O'Grady. Et là, il se retrouve quasi au contact de Javier Gomez sans personne derrière. Non, il a pris l'initiative et il est dans la partie descendante. Il va pouvoir évaluer justement l'écart creusé avec ses concurrents qui étaient Madrid, Brian Fleischmann et Graham O'Grady. Mais pour l'instant, avant de mesurer l'écart, il poursuit son effort et il est carrément au contact sur la roue arrière de Javier Gomez. Il est rentré. Il a comblé son gros déficit à la sortie de l'eau. Donc voilà, il l'avait annoncé avant la course. Hein, donc il est revenu sur Gomez.
Et derrière, le groupe des trois, qui était un groupe de quatre tout à l'heure, a vu partir Bennett sans pouvoir réagir. Alors, il y a une minute. C'est pas des rigolos hein, quand même là. Il y a une minute d'écart. Reid, Fleischmann et O'Grady, il a vraiment, vraiment fait l'effort dans cette bosse. Est-ce que cet effort ne sera pas justement un handicap au moment d'attaquer le parcours pédestre? Parce qu'il a quand même sincèrement cravaché. Ouais, mais sans l'effort, sincèrement, ça aurait été déjà une difficulté. Voilà, tout à fait. Par contre, l'écart qu'il est en train de créer, et maintenant en ayant l'Espagnol en point de mire, donc en collaborant, ce qu'on disait tout à l'heure, Vincent, ça va lui permettre peut-être d'augmenter l'écart sur le trio qui est à leur poursuite, et donc de faire une course à pied un peu plus sereine, et peut-être d'aller chercher une deuxième place, parce que je ne vois vraiment pas comment, sur l'état de forme de Gomez, qui que ce soit pourrait l'embêter sur le parcours des 10 km. Et Gomez, et là, il donne le sentiment d'appuyer un petit peu plus, d'accélérer, parce qu'il sent qu'il se fait pressant derrière Greg Bennett. Et la preuve, alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est de comparer les positions sur le vélo avec un Bennett qui a les bras qui respectent un angle, tandis que Javier Gomez, lui, il est bien posé à plat sur le prolongateur. Vous faites voir... Bennett à notre ami Cyril Guimard, je pense qu'il fait des sauts au plafond. Avec Gomez, probablement un petit peu moins. Et avec cette jeune Suédoise, encore moins. Lisa Nordell. Qu'est-ce qu'elle est costaud en vélo. Elle est montée sans se mettre en danseuse, bien installée, confortablement assise sur sa selle. Elle a juste fait le ménage. Et Lisa Nordell, voilà, elle attaque la descente. Elle a vérifié que derrière... Les poursuivantes étaient à quelques longueurs. On a cru apercevoir Sarah Groff, a priori, et derrière, c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Carolina Routier était quasiment avec Sarah Groff quand Lisa Nordell est revenue. Là, il n'y a personne. Et en plus, l'écart qu'il va y avoir en haut de la bosse va augmenter puisque... Difficile. Quand on se croise et qu'on est en descente, on va, évidemment, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, beaucoup plus vite qu'en montée. Donc... Si vous prenez l'écart, il faut l'augmenter de quelques paquets de secondes en fonction de la distance, puisque le temps passé dans la bosse est plus important. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais bon. On fera le tri. Je pense que tout le monde a à peu près compris. Allez, la tête de course, on retrouve Greg Bennett avec Javier Gomez. Un petit écart désormais, allez, une quarantaine de mètres entre l'Américain et l'Espagnol. L'Américain qui a déjà déchaussé. Il lui a mis la pression quand même. Hein. Parce qu'il a effectivement préparé la transition. Petite bosse, c'est normal pour accéder à la transition. C'est une partie descendante que l'on a vu tout à l'heure lorsque l'on a attaqué le parcours cycliste. Tandis que lui, Gomez, apparemment, il s'attendait peut-être pas à ce que la transition arrive aussi vite parce qu'il a toujours chaussé. Ouais, sauf que peut-être qu'il bénéficie justement de pouvoir se mettre en danseuse sur cette partie montante. Il sait qu'il a un peu de réserve. Regardez sa transition. Ah non, c'est pas ça, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était Gomez derrière, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait. Non, il est là, Gomez. Ah oui. Ah, oui, il a perdu un petit peu de temps. Vous avez raison, Vincent, parce qu'il a mis un petit peu de temps à enlever les... Le matériel, Ravière, quand même. C'est moche, hein. S'il n'en veut plus, on peut le prendre ou pas? Ah oui. Je sais pas. Allez, Gomez. Quelle pointure il fait, mais si vous voulez, on prend. Il ne va pas partir avec le casque, j'espère. Vous prenez la chaussure gauche, je prends la droite. Non, prenez les chaussures, je prends les jambes. D'accord. Ça vous va? C'est parti pour Javier Gomez. Et oui, le dossard, on n'a plus l'habitude non plus du dossard. Alors, le bike speed, c'est-à-dire le temps vélo réalisé par Bennett, 56,09, 57,15 pour Gomez. Donc, meilleur temps pour tout Bennett. Exactement, tout petit écart, hein, malgré tout, entre les deux premiers. Au départ de la course à pied, mais quand même 1 minute 6. Oui, oui. 1 minute 6 en valeur absolue sur le vélo. Donc, c'est dire le niveau de notre Américain qui a, je vous le rappelle, 41 ans. 58,19, le temps réalisé par O'Grady et Matrid, donc c'est 2 minutes et 10 secondes de plus que Greg Bennett. Et oui. Vous croyez qu'il va gagner la course en vétéran, Bennett? C'est parti, ensuite Fleischmann mettra 58,32. Alors là, pas de petite caisse pour mettre le casque, on est à peu près tranquille. Et Mario Molla, où est-il? On l'a même pas vu. Il met 1h01.41 sur les 40 km. 1h01.41, tandis que Bennett en met 56.09. Là, on voit Lisa Nordell arriver. Je serais assez intéressé de voir le temps de Nordell et peut-être de le comparer avec Molla sans lui faire insulte, puisque le garçon est quand même 3e au niveau mondial. Mais c'est vrai que, voilà, perdu tout seul dans la nature, c'est plus tout à fait pareil. Autant Gomez, on le savait, est capable de rouler et de rouler fort même quand il est seul. Voilà, on a une petite indication sous réserve qu'il ait eu. Regardez, 1-2-0-4, 1-1-41, vous m'avez dit. Oui, pas très loin. 25 secondes, même pas 23 secondes. On ajoute une minute parce qu'effectivement,
en termes d'arrivée dans l'aire de transition, les femmes sont parties une minute après les messieurs, donc effectivement, on ne va pas le vérifier de façon aussi visible, mais mine de rien, c'est quasiment le même temps. Ah oui, en sachant qu'il a roulé en 1:40 et que Bennett a roulé 5 minutes plus vite que lui. Exactement. Donc là, on a une référence. Alors, c'est parti pour le parcours pédestre que l'on va revisiter, redécouvrir. Deux boucles. Il est champêtre. Ah, il est sympa. Il est magnifique, en fait. Qing Long Lake Park. C'est le lieu qui, effectivement, reçoit la compétition. Et tout est réuni ici, qu'il s'agisse de la variété des décors, de la variété des supports, de la présence des marches ou non. Tout est réuni pour justement donner aux triathlètes non entraînés le désir de ne pas revenir. Est-ce que ça existe un triathlète pas entraîné? Non, ce serait dommage surtout de ne pas profiter de ce style de variété. Et faire un triathlon pas entraîné, aïe aïe aïe, ça me paraît difficile. Donc ce parcours, le dénivelé n'est pas non plus phénoménal, mais c'est un parcours en relance sur lequel, qui n'est pas linéaire, sur lequel un vrai coureur à pied peut s'exprimer avec des surfaces différentes, de la route, du chemin, ces espèces de pavés là, mais qui sont très chinois ces pavés. Ouais, il faut savoir les gérer mine de rien parce que ça tape un petit peu sur la foulée. Alors, vous avez pas eu de chance, mademoiselle, il n'en a pas voulu. La bénévole, la fameuse bénévole du parcours. Et là, on voit le rythme et ce sera une évidence à l'œil que... on l'avait vu l'année dernière, vous vous souvenez? C'est l'option bis. C'est l'option tremplin. Regardez. Eh oui, Gomez, vous avez dit que c'était pas dans facile. Dans la foulée de Greg Bennett, il y avait 15 secondes au départ du parcours pédestre. Et s'il y a des petits plots, c'est qu'il faudra passer dans l'autre sens, fatalement. C'est que ces marches vont venir agrémenter le parcours. Et le 8e kill n'est pas celui qu'il vient de franchir, non. Mais il faudra le franchir dans l'autre sens. Et regardez, là, on est presque sur du trail. C'est une piste, c'est presque du cendré. Et oui, en ayant appuyé sur les pédales pendant 40 km, on voit il fait attention, il n'est pas très à l'aise. Ouais, Matrid, lui, il a choisi l'option, je roule à gauche. Et regardez, on voit que le rythme de Bennett et de Gomez n'est pas du tout le même que le rythme de leurs poursuivants. Ils vont beaucoup plus vite. C'est Lisa Norden, elle aussi, rythme soutenu, foulée enthousiaste. Jenna Parker, à son tour, partie en deuxième position à 2 minutes 30 de... Mais elle a fait un beau vélo aussi quand même. Hein. 2 minutes 30 de Lisa Norden. Et puis derrière, Sarah Groff. Ah voilà. Il s'accroche, Greg Bennett, il s'accroche. Et surtout, il essaye d'être un peu plus malin, peut-être de prendre les virages plus à la courbe. Et plus à la corde. Et là, l'option, est-ce qu'il vaut mieux prendre les marches ou prendre la pente là sur le côté? Je pense qu'il faut mieux prendre la pente quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce qu'on peut gérer sa longueur de foulée, on n'est pas conditionné par la taille des marches. Et c'est mieux, quoi qu'il en soit. À la fois à la descente et à la montée. Hein. Regardez comment Lisa Norden a complètement ralenti. Et Fraser Cartmell, il a intérêt à être attentif parce que la première des dames fond sur Fraser Cartmell. Eh oui. Elle va même probablement le doubler. Oh, c'est pas une honte, hein. C'est juste que pour un athlète pro, a priori, on s'attend à des performances. Oui, mais c'est une course atypique. Meilleure. Donc il est. Et puis il n'était pas forcément non plus dans un grand jour. La relance, la puissance, Gomez, incroyable. La puissance de ce coureur. Non, vraiment, vraiment progressé à pied cette saison. Il était déjà très fort, évidemment, mais il a vraiment progressé de façon énorme. Il a déposé Greg Bennett en l'espace de 200 mètres dans ce faux plat, qui est plus qu'un faux plat, qui est une vraie bosse. Alors Vincent, ça ne veut pas dire qu'il a progressé de 2 minutes, hein, on est bien d'accord. Il a progressé de quelques secondes sur son 10 km en triathlon qui lui permettent maintenant de rivaliser avec les Brownlee. Et on l'a vu il y a quelques semaines à Londres. Et il profite aujourd'hui aussi évidemment de ce niveau course à pied qui fait partie des 2-3 meilleurs coureurs à pied sur triathlon. Jenna Parker. Bon, là aussi d'ailleurs, mais il est beaucoup plus loin donc ça va être plus compliqué. Continue sa progression, deuxième place derrière Lisa Norden. Sarah Groff. Alors vous mettez Parker et Sarah Groff sur une WTS. Parker, on la voit même pas de la course. Hein. Vous voyez, sur cette course, c'est un tout petit peu différent. Ouh, c'est dur. Il faut se relâcher un peu plus que ça, Sarah. Même si la pente est très très importante et ça fait mal aux jambes. Oui, c'est ce que je veux dire. Elle vit sa descente dans la douleur. Ouais, elle travaille en pliométrie. Matrid, à nouveau. Brian Fleischmann qui se retourne pour savoir s'il a une petite chance de conserver cette position. Mais pour l'instant, ils sont quasiment pas quittés. Ils sont 3 et 4, donc il va falloir prendre une décision. Matrid, semble-t-il, a fait le choix d'accélérer, de tenter
sa chance dans cette bosse, au même titre que Javier Gómez l'a fait un tout petit peu plus tôt pour essayer de casser un tout petit peu la concurrence de Brian Fleischmann. Mais on peut, la grosse différence par rapport à un 10 km linéaire qu'on a l'habitude de voir sur les Coupes du Monde, c'est-à-dire tout plat, où on se met sur un tempo et après pour user ses adversaires, il peut y avoir des petits changements de rythme. Là, il suffit juste, en fonction de ses qualités personnelles, être un meilleur grimpeur qu'un meilleur descendeur ou inversement, en fonction du terrain, d'utiliser justement cette topographie, les deux sont effectivement pour peut-être quasiment naturellement mettre à mal son adversaire. Ah, il a failli prendre le meilleur sur Lisa Norden, parce qu'elle a failli aller tout droit. À la faveur d'une erreur. Oui. C'est pas beau. Javier Gómez, l'Espagnol, triple champion du monde, triple champion d'Europe, champion du monde des moins de 23 ans. Oui, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres. Il est en train de finir sa course. Il aura fait une belle saison. Il a fait exactement. Il aura réalisé une énorme saison 2013. Et là, il prend du plaisir sur cette course qui est un petit peu atypique par rapport au circuit habituel pour lui. Et puis un petit chèque à l'arrivée. Oui, on est triathlète professionnel, donc on vit du sport, donc c'est complètement logique. Et votre ami Fraser Cartmel qui lui a décidé de faire la course maintenant avec Lisa Norden. Ce qui n'est pas désagréable, Lisa Norden est une athlète très sympathique. Et Fraser Cartmel va effectivement se servir de cette présence pour terminer sa journée. Jenna voilà, Parker. Elle est le ventile, hein. Elle est à fond. Qui est la sœur de Jarod Schumacher. C'est une info, je vous la glisse, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Oui. Jenna Parker, troisième de Escape from Alcatraz en 2012, je vous l'ai dit, récemment vainqueur de l'Aquasphore Triathlon de New York. Voilà, un triathlon parmi les autres, qui a très longtemps participé aux épreuves de Coupe du Monde. ITU, c'était au début des années 2000, enfin entre 2002 et 2007, je crois, grosso modo, et qui depuis donc a choisi de participer à ces épreuves un tout petit peu différentes, mais surtout financièrement intéressantes, que l'on trouve aux États-Unis. Oui, et puis vu ses qualités, comme elle a un petit déficit au niveau natation, c'était complètement logique. Par contre, on a vu que Sarah Groff est en train de faire parler ses qualités course à pied, et elle va probablement aller chercher sa compatriote. Il n'y a pas grand monde là. Comment ? Il est tout seul. Parlez plus fort, j'entends Javier pas. Javier Gómez, est-il sûr et certain de participer à une compétition ? Non, mais là, on peut se poser la question, j'ai pas raté un virage ? Ah non, voilà, votre bénévole Javier qui Gómez se déplace en fait en fonction du parcours. Non, ne dites pas ça, les Chinois ont l'habitude d'organiser de très belles épreuves. Juste pour en profiter, signaler que l'année prochaine, Laurent, l'année prochaine, les championnats du monde longue distance auront lieu en Chine, à Weihai. Une épreuve que nous suivons depuis sa création sur l'antenne de Sport Plus. Donc les Chinois organiseront les championnats du monde longue distance en 2014. Et ce passage est magnifique. Et la fin du parcours pour qui ? Pour tout simplement pour Javier Gómez, l'Espagnol, encore une fois, qui a effectivement pendant un temps rivalisé avec Greg Bennett à vélo, mais qui là, en course à pied, quasiment depuis le troisième kilomètre, a anéanti les espoirs de victoire de Greg Bennett, si tant est qu'il en ait jamais eu, justement, sur cette épreuve. Vous avez vu, même le VTT est obligé de courir dans les marches pour pouvoir ouvrir la route à l'Espagnol. Et Greg qui va probablement, il s'est résigné par rapport à la victoire, évidemment, mais qui va probablement garder sa deuxième place. Un petit coup d'œil derrière, mais c'était assez loin, évidemment. Et on a vu le tempo, en tout cas à l'œil de Madrid et de Fleischmann, le grand Greg n'a pas grand-chose à craindre a priori. Greg Bennett, les petites marches encore. Les petites marches pour en terminer. 41 ans, on l'avait vu tout à l'heure. Numéro 1 mondial en 2002, en 2003. Quatrième des Jeux Olympiques, vous l'avez dit Laurent, en 2004. Il a commencé le triathlon en 1994. On peut dire qu'il connaît un tout petit peu le sujet. Et oui, je me souviens, parce que je suis très très vieux évidemment, de Greg sur la Coupe du Monde de Monaco en 1995, où il avait gagné. Il avait remporté. Il avait gagné et ça avait été sa révélation. Les triathlètes parisiens le connaissaient, parce que comme il était licencié au club de Boulogne-Billancourt, il venait assez souvent s'entraîner à Longchamp, lieu bien connu des cyclistes et des triathlètes parisiens. On avait la chance de côtoyer Greg sur le parcours de l'Hippodrome. Deuxième position toujours Greg Bennett, troisième position, il semble que Brian Fleischmann ouais, ait repris Madrid, qui a eu une fin de parcours pédestre un tout petit peu plus difficile que son compatriote, Brian Fleischmann. Qu'est-ce qu'il a à son actif? Il a une 10e place récemment sur le Half Ironman de Calgary.
Il court habituellement aussi sur les 51-50 aux États-Unis, sur le fameux circuit Revelation 3, qui est très prisé. Et puis, il a participé, comme la plupart des Américains, à l'épreuve Escape from Alcatraz. Ils y passent forcément Matt Reed, Greg Bennett, la plupart des champions. Et d'ailleurs, Javier Gomez l'a emporté, c'était cette année. Et vous avez eu le paysage avec ce pont au milieu du lac, les feuilles de lotus et au loin les montagnes. Ce triathlon est vraiment magnifique. Très concentré jusqu'au bout. Javier Gomez, ça y est, il arrive sur la moquette rouge qui accueille donc ses professionnels et un peu plus tard tous ces amateurs venus participer à cette deuxième édition du triathlon de Pékin. La victoire donc, première apparition et victoire pour l'Espagnol Javier Gomez. C'est pas vraiment une surprise. Ah, il a honoré son dossard 1. Logique. Eh oui, belle victoire. À peine essoufflé, une fois qu'il a réussi à lâcher Greg Bennett, eh bien, il a géré, vous l'avez dit Vincent, la fin de ce parcours en prenant du plaisir. Il a sans doute pu bénéficier aussi du paysage. Deuxième position, il a maintenu cette place. L'Américain Greg Bennett, le plus âgé des compétiteurs présents ici à Pékin, donc, va passer la ligne d'arrivée à 1 minute et 38 secondes. Ouais, derrière, il a perdu Javier Gomez. Un petit peu moins de 2 minutes à pied. Les temps à pied, c'est 33-07 pour Gomez et 35-0 pour Greg Bennett. Donc il peut être satisfait de sa course. Il a fait un énorme effort sur le vélo. Il est revenu sur la tête de course. Il pose le vélo en tête. Il a tenté de s'accrocher à la foulée de l'Espagnol, mais l'Espagnol, qui est son cadet, est quand même au-dessus, notamment sur cette partie finale du triathlon. Le troisième de cette deuxième édition, donc. Le troisième de cette deuxième édition, de Pékin, Brian Fleischmann, américain, lui aussi, qui en termine après 1h55 minutes et 32 secondes d'effort, c'est-à-dire aller à 3 minutes 30 de Javier Gomez. Alors bien sûr, les écarts ne sont pas ceux qu'on a l'habitude de voir sur les WTS, mais le format, en tout cas la façon de courir, n'est pas la même. Donc c'est ceci expliquant évidemment cela. Et chez fin les dames. Du parcours chez ces dames justement, et on retrouve la Suédoise, je dirais presque la grande Suédoise, tant par son profil que par ses performances réalisées au cours des saisons écoulées. Lisa Norden termine sa progression, derniers hectomètres, dernière marche, derniers efforts, avant de franchir sans doute elle aussi la ligne d'arrivée en vainqueur. Lisa Norden, c'est dernier tout à coup fait d'œil. Probable. A priori, personne à l'horizon, si ce n'est Sarah Groff. Ah, qui a déposé. Qui a quitté effectivement la foulée de Jenna Parker. Tenante du titre, Sarah Groff, je vous le rappelle. 9e du classement WTS en 2013 et surtout aussi 4e des Jeux Olympiques de Londres. Et oui, elle avait fait une très très belle course à Londres, échouant au pied du podium. On la sent un petit peu en difficulté depuis le début de la course, sur toutes les parties descendantes. C'est assez étonnant, elle manque un petit peu de relâchement sur les descentes, mais elle est en train de gérer sa deuxième place, de gérer l'écart sur Jenna Parker qu'on a vu. Elle utilise la rampe, ce qui n'est pas une mauvaise chose, tout à fait. Jenna Parker, elle ventilait beaucoup tout à l'heure. Tant que ça se termine, si elle pouvait utiliser les deux rampes, c'est-à-dire utiliser avec les deux mains, en l'occurrence la même rampe, mais les deux, ça va être compliqué. Il est temps que ça se termine. C'est vrai que ce ne sont pas des courses auxquelles elles sont habituées, ce genre de, en l'occurrence, d'enchaînement d'efforts. À Alcatraz, il y a quelques marches aussi. Hein. Alcatraz, effectivement, il y a quelques marches. Lisa Norden, tout sourire et c'est naturel. Victoire pour la Suédoise, donc, ici à Pékin. 2h05, 2h05, 10. D'où l'intérêt d'avoir le classement lisible. C'est-à-dire que j'avais du mal à le voir. Ah, avec les petites les pattes de mouche de votre classement. Deuxième position pour l'Américaine Sarah Groff. Première l'an passé, deuxième cette année. Fidèle au rendez-vous, sans doute présente l'an prochain pour cette troisième édition annoncée. Sarah Groff qui en termine à son tour. Avec quel temps, Laurent ? Beau et ensoleillé. Je vais vous dire ça tout de suite parce que moi j'ai pris soin de sortir dans un format beaucoup plus important, 2h07 et 3 minutes et 3 secondes pardon. D'accord. Deuxième position pour l'américaine, troisième position pour l'autre américaine, Jenna Parker. 2h07:20, 17 secondes satisfaite, derrière Sarah Groff. Et Parker qui écrit encore une nouvelle page de sa carrière. Elle est géniale. Ah, elle était pas mal, les celle-là. Temps réalisés par les uns et les unes.
Et Mario Mola a quasiment à plus de 6 minutes c'est de un la gagne. Important. En quel temps a-t-il couru Mario? 35-05. C'est-à-dire qu'il a couru globalement comme Greg Bennett et comme Brian Fleischmann. Elle a connu une fin de parcours difficile, Laura Bennett. Elle termine à ah oui, 8 minutes. Oui. De Lisa Norden. Carolina Routier. Et puis Ricarda Lys qui est revenue derrière. On ne l'a pas vu du tout de la course, mais elle est revenue. Très complète aussi, Ricarda. Qu'on a pas Il y vu avait Jolo, beaucoup, John Allo qui était là présente aussi dans cette. Oui. On ne l'aura jamais vu. Ah non, non plus. Javier Gomez, vainqueur de l'épreuve. Lisa Norden, vainqueur chez ces dames. Satisfaction sur les visages de tous les participants, bien sûr. Des conditions de course rarement réunies pour un tel niveau. Oui, bien sûr, c'est une belle course. Challenging, autrement dit difficile. Il faut changer effectivement pas mal de rythme, surtout en course à pied, où les marches viennent un tout petit peu casser la vitesse de course. Mais je me suis senti à mon aise, je crois que j'étais bien préparé. Elle a vite vu qu'elle était larguée en natation, oui, en quelque sorte, et qu'il fallait qu'elle se mette à cravacher sur le parcours cycliste. Donc c'est ce qu'elle a fait, et puis après le parcours pédestre l'a effectivement confortée dans Alors, sa position. Vincent, pour information, le premier chinois c'est Qi Dang, et la première chinoise qui était aussi inscrite en pro mais qui finit assez loin, Zhang Yi. 20 000 $ à la gagne. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on voit de tels athlètes sur de telles courses. Et c'est naturel. Il y a beaucoup de zéros quand même pour faire 20 000 c'est là, c'est pas du dollar là. Bah écoutez, si, un petit S devant, regardez. Mais ils ont trompé, donc ce serait 2 millions. Alors non, c'est 20 000, mais il y a une virgule avec les deux zéros derrière. Voilà, parce que ça. Ce serait un peu beaucoup quand même. Ravière enfin, quoique, pourquoi pas. Hein. Prochain rendez-vous triathlon sur l'antenne de Sport Plus. Il y en aura effectivement un certain nombre. Courte distance, nous vivrons ensemble celui de Barcelone, mais nous vivrons un aussi petit résumé. Le Challenge Barcelone, nous vivrons le Bintan Metaman en longue distance, on ira aussi sur l'Elbaman, en fait pas mal de rendez-vous avant en de man, nous quoi. Quitter. Exactement, D'accord. Salut, à très vite. À bientôt, au revoir.